Bonjour et bienvenue chez Ben Info. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment bloquer les messages abusifs de l'application Phonix sur nos téléphones. Par moments, ces messages deviennent agaçants. Alors, pour en bénéficier de toutes les étapes, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Première des choses à faire, localiser l'application Phonix sur son téléphone. Pour mon cas, voici l'application Phonix ici. Chacun va donc rechercher sur son téléphone là où se trouve l'application Phonix. Une fois que vous avez trouvé ça, vous allez appuyer sur l'application Phonix. Et là, ça va nous afficher ceci, information de l'application. Vous cliquez sur information de l'application. Et là, à ce niveau, en bas, vous allez trouver forcer l'arrêt. Sur d'autres téléphones, ça peut se retrouver en haut. Ça dépendra donc de la marque de votre téléphone. Là, je vois forcer l'arrêt. Je vais donc cliquer sur ça. Et ensuite, je choisis OK. Là, j'ai déjà forcé l'arrêt. Ensuite, à côté, je vois l'icône désactiver. Je vais donc appuyer sur désactiver et je choisis désactiver l'application. Une fois que j'ai fait ça comme ça, je n'ai pas désinstallé l'application Phonix de mon téléphone, mais je l'ai désactivé. Et là, Phonix ne pourra plus m'envoyer les messages. Si je reviens même là où se trouvait l'icône de l'application Phonix en début de cette vidéo, vous voyez que l'icône là a totalement disparu. Et à partir de maintenant, je ne recevrai plus les messages abusifs et agaçants de Phonix. Si vous avez aimé la vidéo, il faut liker et partager pour en faire bénéficier d'autres personnes. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On se dit donc à bientôt sur Ben Info.